Monsieur le ministre délégué chargé des transports, il ne se passe pas une semaine sans que je ne sois interpellé sur les retards, incidents et autres difficultés d'exploitation que doivent subir mes administrés lorsqu'ils décident de prendre les transports en commun. Pour tous ces usagers, l'augmentation du pass Navigo de 12% l'année prochaine a un goût amer. Comment en effet justifier de payer plus cher un service dont la qualité diminue ? À ce titre, je veux vous faire part de ma reconnaissance d'avoir accordé une aide exceptionnelle de 200 millions d'euros à Île-de-France Mobilité pour limiter au maximum cette hausse. Je veux aussi dénoncer le chantage dont s'est rendue coupable Mme Pécresse, qui, fuyant ses responsabilités autant que ses promesses électorales, a vainement tenté de faire porter le chapeau de cette hausse sur le gouvernement. Où est le courage politique quand on réclame toujours plus de compétences en se défaussant sur l'État dès que l'on a cramé la caisse? Où est la cohérence quand on s'insurge contre les déficits publics le lundi pour mieux demander le mardi à l'État de venir combler ses failles en région? Cette hausse du pass Navigo, Mme Pécresse en est la seule et unique responsable, et si elle reste cantonnée à 12%, c'est uniquement grâce à l'État qui a aidé Île-de-France Mobilité à hauteur de plus de 2 milliards d'euros en subventions et prêts pendant la crise sanitaire, puis de nouveau la semaine dernière avec cette nouvelle aide. Je n'oublie bien sûr pas nos territoires qui se partageront une enveloppe exceptionnelle de 100 millions d'euros pour soutenir leur réseau de transport en commun. En marge de ces annonces, vous avez, Monsieur le Ministre, acté la mise en place d'une conférence pour organiser le financement futur des transports publics. Dans la lignée des efforts majeurs consentis depuis 5 ans pour les transports du quotidien, serait-il possible de savoir quelles seront les lignes directrices du gouvernement dans ces discussions et de rassurer nos concitoyens quant au fait qu'il sera au rendez-vous des ambitions affichées? Je vous remercie. Merci.